Mesdames et messieurs, les élus de l'Europe, les étoiles du destin et les chemins de l'écriture m'ont mené à cette tribune pour y vivre, présidente d'un jour, un honneur dont je n'aurais jamais osé rêver et une joie. La joie la plus forte que puisse éprouver une créature au soir de son existence. La joie d'une vocation de jeunesse miraculeusement accomplie. J'ai dit les étoiles du destin. J'y ajoute mes amis politiques qui ont toute connaissance de ma pensée, m'ont permis d'obtenir la confiance des électeurs de mon pays, la France. J'ai dit aussi les chemins de l'écriture, les chemins de la plume et de la loi qui, au temps biblique, se confondaient. Journaliste, écrivain, cinéaste, dont l'encre et les images n'ont jamais trahi la foi, il me semble, en cet instant, n'avoir jamais traversé le siècle et sillonné le monde que pour venir à votre rencontre, en amoureuse de l'Europe, et pour tâcher de formuler avec vous, avec votre approbation, les angoisses et les espérances qui tourmentent, qui soulèvent notre conscience collective. Nos peuples nous écoutent. Les deux Amériques, l'Asie, l'Afrique, l'Océanie nous écoutent. Ah, mes merveilleux Européens, sauvegardons ensemble notre bien le plus précieux, à savoir notre culture et notre fraternité en cette culture. Je vous demande votre accord. Je vous demande votre accord. Your agreement. Ihre Zustimmung, il vostro consenso, uva cont deres telsnisling, e go me schwib le calé. Que cette journée historique ne s'achève pas sans qu'une flamme nouvelle est brillé aux cieux de notre civilisation en travail de rajeunissement et que cette flamme, ce soit vous qui l'ayez allumée ici, à Strasbourg, la métropole symbolique de la réconciliation continentale. D'abord, gardons un sentiment juste de nos personnes placées aujourd'hui dans l'univers, à la charnière de la mutation pathétique de l'ère de l'acier en ère de l'atome, et, en notre petit cap de l'Asie, à la charnière de la mutation déchirante de nos sociétés de surconsommation en sociétés de type nouveau, obligées de compter avec les impératifs contradictoires de la natalité et des loisirs, des emplois, de la sécurité et du manque éventuel de matières premières. Ici, en Europe,
nos manettes et nos cadrans se sont substitués à la peine des hommes. Ailleurs, ceux-ci végètent encore au sein de sociétés de subsistance ou pire, de sociétés de pénurie. Et en dépit des menaces de tous ordres qui pèsent sur ce monde, qui pèsent encore sur elle, l'Europe se doit de continuer à aider les déshérités de ce monde. Tel est encore son fardeau, mesdames et messieurs les élus de l'Europe, son fardeau. Mais en tous les cas, que jamais ne nous abandonne le sentiment d'être des légataires et des testateurs, les légataires d'une spiritualité essentielle et les testateurs de cette spiritualité au bénéfice des générations à venir. Les enfants demain, qui pense foyer, petit ou grand? Et le foyer européen est immense. Évoque, ne serait-ce que par un rayon de bibliothèque, le culte des anciens. Proches, ceux-ci nous sont familiers. Lointains, ils surgissent magistraux des brumes de l'histoire. Honneur à Charlemagne. Karl der Grosse. Il intégra la péninsule ibérique à l'Europe. Il concilia la latinité et le germanisme. En l'année 786, à Attigny, la petite commune des Flandres françaises où se trouvait son palais, il faisait baptiser Witikind le roi des Saxons. Cependant que des moines de notre Irlande défrichaient les rives de la Marne, de notre Irlande, dont la Benjamine de cette assemblée porte le nom illustre de Valéra. Puis vint le Moyen-Âge. Superbe sont en leurs éruditions et leurs synthèses les travaux des historiens de l'Europe. L'usage de cette tribune et le génie de cet hémicycle m'ont contrainte, hélas, à des choix. Je dirais d'abord honneur au pape Urbain II, à l'appel passionné duquel répondirent pendant des années et animés d'une même foi, des Européens aussi dissemblables que l'Anglais Richard Cœur de Lion, que l'Allemand Frédéric Barberousse, que le roi Saint-Louis, et honneur à Dante, de notre Italie. Sa divine comédie est une somme de la chrétienté européenne de son époque. N'oublions pas que des réminiscences islamiques la colorent. Puis vint la Renaissance. Impossible d'en citer tous les humanistes, européens par définition. Gloire à Shakespeare, de notre Grande-Bretagne, qui, de la terrasse d'Elsonneur, battu par les flots de notre Danemark, nous a laissé l'interrogation qui nous rend tous être ou ne pas être. O constancy, be strong upon my side. Set a huge mountain between my tongue
and heart. I have a man's mind, but a woman's might. Oh, how hard it is for a woman to keep counsel. Et gloire, grande gloire à Grotius, citoyen de notre Hollande, père internationalement reconnu des droits de l'homme. Puis, il y eut l'Europe du siècle des Lumières. Gloire à Voltaire, le défenseur de Calas et du chevalier de la Barre. Gloire à Kant, le philosophe de Königsberg qui mit de l'ordre dans la métaphysique. Et gloire, gloire à Goethe, de notre Allemagne du Sud, dont le nom est devenu synonyme de la culture qu'il nous faut perpétuer pour oublier que nous sommes mortels. Du musst herrschen und dominieren oder dienen und servieren, verlieren. Die Tat ist alles. Héritière de Grotius, la grande révolution française sut formuler les droits de l'homme avec plus de retentissement encore. Les droits de l'homme. Honte aux camps de concentration, aux hôpitaux psychiatriques pour fous qui ne le sont pas, aux juges en cagoule condamnant des inculpés aux yeux bandés. Honte aux génocides qui endeuille la terre, et ce, j'ose le dire, en toute liberté. Mais reprenons le fil de l'histoire à Karl Marx, protagoniste de l'amélioration de la classe ouvrière. Encore une fois, Israël marquait l'Europe de son feu. Permettez-moi de constater que ce deuxième grand Karl n'a pas vu, lui, son œuvre s'incarner. Il n'a pas survolé, relié par des autoroutes fourmillantes de véhicules, les milliers de pavillons, d'écoles, d'hôpitaux, d'instituts d'assurance ou de recherche, révélant le souci qui poigne les travailleurs que nous sommes tous, à savoir que chaque Européen puisse vivre au mieux ses déficiences de toute nature étant prises en charge par la collectivité. S'il avait pu contempler ses réalisations, la dialectique de l'auteur du Capital se serait-elle ralentie? Qui sait? Dieu ou diable, un fanatique ne retient jamais des faits que ceux qui lui conviennent. J'en sais personnellement quelque chose. Ma famille alsacienne était protestante. Nos pasteurs condamnaient les papistes avec une telle furie que j'en suis devenue libérale pour toujours. Et puis, gloire à Ferdinand de Lesseps. L'Europe unanime assista à l'inauguration de son canal. Ce fut dans les sables, entre Asie et Afrique, une grande fête de l'humanité. Passons. Référence et révérence à Victor Hugo, dès 1849, président d'un congrès de la paix réuni à Paris, il proclama son espoir en une Union européenne dont l'idée avait pris forme en France
sitôt les défaites de Napoléon. Je cite Hugo. Vous aurez encore bien des différends à régler, des intérêts à débattre, des contestations à résoudre. Mais savez-vous ce que vous mettrez à la place des hommes d'armes, des canons, des lances, des piques, des épées? Vous mettrez une petite boîte de sapin que vous appellerez l'urne du scrutin. Marguerite Hugo, la petite fille de Victor, était ma camarade de classe. Alors, parmi les plus éclatants des fils de Zeus et de la nymphe Europe, j'appellerai mes contemporains, qui pour main d'entre vous font déjà figure d'anciens. Entrez dans notre panthéon de l'Europe, ô vous, les patriarches de la cour de justice de La Haye, que j'ai connus vieillissant dans leur auréole de prestige. Entrez, les promoteurs de la Société des Nations, pionniers d'une fédération européenne, dont le texte fut dépecé entre de multiples commissions, sous-comités, colloques et séminaires. Ces hauts lieux de l'impuissance internationale. Entrez, Gustav Stresemann, je vous revois, rouge d'émotion, comme vous entriez en gare de Genève-Cornavin, afin d'y représenter l'Allemagne, admise à prendre la parole à la tribune de la Réformation. De vos yeux clairs, de votre col raide, de votre énergie, se dégageait une volonté bravant les insultes dont vous étiez l'objet. Elle vous soutint, cette volonté, jusqu'à la signature du pacte Kellogg, où je vous retrouvai, pâle et amaigri, prévenu par votre cœur qu'il ne fallait point outrepasser vos forces. Vous les dépassâtes, pourtant. Entrez, Aristide Briand. J'entends encore les orgues de votre voix. Je me souviens de votre démarche féline, de votre chevelure d'argent et du mégot qui fumait continuellement à la commissure de vos lèvres, trompant sur la majesté de l'État dont il ne vous déplaisait pas de rayonner soudain. En 1931, à Berlin, je traduisis la phrase que le chancelier Brüning vous adressa après une réunion décevante dans un couloir que les interprètes officiels avaient déserté. Dites à Monsieur le Président Briand que, faute d'une immédiate entente franco-allemande, il se déchaînera ici contre la civilisation des événements qu'il ne peut imaginer. Je traduisis, mais en sa bénévolence de celte rêveur et confiant en la nature humaine par tradition socialiste, Aristide Briand ne comprit pas son interlocuteur. Quelques années plus tard, la Deuxième Grande Guerre mondiale éclatait. Elle préserva nos libertés, mais pas au-delà d'un certain mur. Et le drame persista d'une Europe doublement minée par une guerre économique aux ruses complexes et une guerre dite idéologique masquant des appétits de puissance. Aucune de nos moyennes démocraties ne pouvait rester seule. Entrez, Konrad Adenauer de Cologne. Aussi altier que la flèche de votre cathédrale, aussi bouillonnant que notre Rhin.
sous vos dehors de pater familias chrétien. Et entrez, l'inoubliable troisième Charles. Entrez, Charles de Gaulle. Nous sommes réunis ici grâce à vous deux. Monsieur de Cologne, le général vous avait reçu en sa demeure privée, sise sous cette, sur cet austère plateau, proche d'Alésia et de Verdun, qu'avaient piétiné au cours des siècles tous les envahisseurs de la France. Le nom de ce troisième Charles n'a jamais été resserré en sa syllabe germanique. Son maintien paraissait s'inspirer d'une devise illustre : roi ne puis, prince ne daigne, Gaulle suit. Le passant qui contemple la croix de Colombey se sent traversé d'appels mémorables au 18 juin. En granit et hors mesure, elle résiste aux tempêtes, cette croix de Lorraine rose. Parfois, des nuages l'enrobent, qui empêchent de distinguer entre le chef et son monument. Leurs grands bras commandent, leurs têtes se confondent dans les orbes de l'action et les cieux de la pensée. Entrez, Paul Valéry. Dès 5 heures du matin, chaque jour, l'esprit envahissait votre corps fluet. Votre regard bleu sombre choisissait souvent de se poser sur l'Europe. Bien avant la deuxième déflagration mondiale, vous m'aviez expliqué un jour, en remuant le sucre de votre café, que le destin de la civilisation occidentale, la nôtre, se jouerait sur le Yalou, la rivière séparant la Chine de la Corée. Elle m'était inconnue, cette rivière. 2 décennies plus tard, le Yalou se révéla le Rubicon qui sépara le président Truman du général MacArthur. Entrez, Richard Coudenhove-Kalergi, le successeur de votre pan-Europe en cette assemblée, est un prince de Habsbourg. Vous souvenez-vous, Richard, des conférences que nous tînmes ensemble dans le Middle West? Nous étions 3 Européens. Le célèbre travailliste Arthur Henderson de notre Grande-Bretagne nous ayant rejoints. De temps à autre, animé d'un sombre humour, Arthur nous disait: mes enfants, mais je suis ici à la recherche d'un prolétaire. Nous devions exposer nos points de vue nationaux respectifs sur les dissensions qui empêchaient la pente lente Europe du traité de Versailles de se relever. Érigé en une manière de tribunal, nos auditeurs rendraient ensuite leur verdict. Bientôt, nous nous sentîmes tous les trois, fondu en une culture spécifique si forte qu'à la déception générale, nous nous présentâmes en compagnons marchant vers un but commun, le nôtre aujourd'hui, en dépit de quelques coups de canon, après tout sans importance fondamentale. D'ailleurs, nous ne manquions jamais d'exprimer notre reconnaissance aux soldats du Nouveau Monde, épris de leur liberté et grâce auxquels nous avions préservé la nôtre. Nous ignorions alors qu'il la sauverait une deuxième fois. Notre survie commune était à ce prix. Elle exigera aujourd'hui encore d'autres sacrifices. Entrez, Robert Schuman et Jean Monnet.
Robert Schumann, le clarificateur laconique des contradictions internes de notre continent. Guillaume le taciturne de notre Hollande paraissait continuellement vous enseigner qu'il n'était point nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Jean Monnet, la faucheuse qui nous guette tous, vient de vous emporter. Je vous avais rencontré à Bordeaux en 1914, inconnu, mais déjà juvénilement prophétique. Le jour de vos obsèques, toute l'Europe se pressait dans la modeste église de Montfort-l'Amaury en Yvelines. Certes, la petite salamandre que vous aviez choisie pour blason traversera indemne encore maintes fournaises. Et revenez parmi nous, Albert Einstein, suivi d'un cortège d'autres éminents réfugiés, et vous, les assassinés, victimes que j'ai connues et aimées de notre combat pour l'épanouissement de l'individu et des droits de nos peuples libéraux. L'Allemand Walter Rathenau, l'Italien Giovanni Amendola, le Roumain Ion Duca, l'Autrichien Engelbert Dollfuss et le Tchèque Jean Masaryk. Entrez, entrez. Bientôt, notre Assemblée souhaitera bienvenue à la Grèce, qui déjà s'associe en pensée à notre hommage. Il n'est point ici un descendant de ces Cimmériens blonds et barbares qui jadis menaçaient les Lades et qui naît à cette heure. Gravis ou ne veuille gravir les degrés de l'Acropole, temple de Pallas Athénée, notre déesse de la sagesse, à laquelle nous avons si fréquemment et si voluptueusement désobéi. Telle est l'Europe, méritons de ceux qui nous suivront le culte que nous rendons à ceux qui nous ont précédés. Mesdames et messieurs, les élus de l'Europe, levez-vous, je vous prie, et recueillons-nous un instant en l'honneur de nos héros. Observons une minute de silence. Merci. Toutefois, que le culte de nos anciens ne sclérose pas notre action et n'occulte pas nos regards fixés sur l'avenir. Redoutons de devenir les classiques de nous-mêmes. L'histoire avance, les conjonctures se renouvellent. Ce qui était impossible hier sera possible demain. D'ailleurs, vous ne partez pas d'une table rase sur des ruines encore chaudes. En 1946, Winston Churchill, de notre Grande-Bretagne, exprimait le vœu que se reconstituât la famille européenne. Dès les années 50, il était apparu, à la suite de la déclaration du 9 mai de Robert Schumann, à six de nos États les plus industrialisés, qu'un marché commun, à base d'union douanière et de compensation financière, élèverait le niveau de vie tant de leurs producteurs que de leurs consommateurs. Calcul juste que la pratique appellerait à de constantes révisions. Les six du marché commun et des patries signaient donc les extraordinaires traités de Paris en 51 et de Rome en 57. Peut-être du fait de ces plans coopératifs incroyablement hardis en ces temps de règlement de compte entre vainqueurs et vaincus,
l'aïeul de la communauté Acier-Charbon, est-il Émile Mayrich de notre Luxembourg? Mayrich, dont les entreprises conféraient une dimension internationale à son pays. Mayrich, ce bourgeois impérial au teint fleuri, qui dès 1921 introduisait auprès de ses pairs les industriels de la Ruhr, en vertu de mon engagement européen. Les 6 sont devenus 9. Ils seront 10 rondement. Tous parties prenantes des organismes de consultation, de décision et d'exécution qui œuvrent actuellement dans cette ville même, à Bruxelles et au Luxembourg. Sans ces institutions, sans l'esprit de coopération dont elles ont fait preuve, sans la masse de leurs informations rassemblées en vue d'égaliser les charges et les avantages de chacun, vous seriez retardé dans vos travaux. Elles ont mis en place, depuis 2 décennies, les infrastructures qui permettront à votre assemblée, succédant à l'ancienne assemblée des communautés, dont l'éminent président Emilio Colombo de notre Italie est parmi nous, de prendre son image de marque avec la consécration du suffrage universel direct. Emilio Colombo avait été l'intime collaborateur d'Alcide de Gasperi. Le 3e prestigieux inspirateur du traité de Paris. J'ai bien dit le suffrage universel, car les femmes ont eu la part de plein droit qui leur revenait. Elles ne l'auraient pas eu, cette part, lorsque je conduisais en France le combat pour leur égalité dans un climat si désuet que nos adversaires pouvaient avec succès arguer que les mains des femmes étaient faites pour être cajolées et non point pour déposer des bulletins de vote dans les urnes. Sans récuser ces cajoleries, les Européennes ont cependant usé de leurs bulletins et les voici maintenant en bien des palais et bien des gratte-ciels aux reines du pouvoir. Je salue chaleureusement celles qui se trouvent parmi nous, en particulier venue de notre Irlande, leur Benjamine, comme je l'ai dit, qui porte le nom illustre de Valéra. Elles sont conscientes, sans esprit de ségrégation, de la tâche qui les attend. À vous, qui m'apparaissez si jeune, je rappellerai maintenant l'ouvrage d'un aristocrate estonien, publié pendant le sombre armistice au cours duquel notre continent reprenait souffle avant la 2e Grande Guerre mondiale. Dans son analyse spectrale de l'Europe, le comte Hermann de Kaiserlin se définissait lui-même occidental par la couleur de sa peau, européen par l'éducation, balte de naissance, russe et allemand par le sang, français par la culture. Je le revois lui aussi, cet authentique européen, immense, hirsute, intarissable, dégingandé, commentant jusqu'à 3 heures du matin à la jeune femme que j'étais alors, sous les réverbères de Saint-Germain-des-Prés, son prémonitoire volume. Oh, chacun de nos peuples y recevait d'abord une volée de bois vert. L'anglais, moitié lion, moitié loup, mais gentleman inoffensif, ses buts une fois atteints. L'allemand,
pour lequel la chose demeurait plus importante que l'homme et qui, à ce titre, ne pouvait se défendre d'une nostalgie communautaire. L'Italien prenant le théâtre pour une fin en soi. Le Français, incapable de comprendre que l'on veuille être différent de lui et attaché à ses définitions comme un sauvage à ses fétiches. J'épargne les autres. N'empêche que le vociférant comte béait d'admiration pour la richesse, la variété, la force de l'apport respectif de nos patries à leur commune culture. Du coup, allant plus loin dans l'analyse que l'impulsif Hugo, il lui semblait qu'exiger de l'Europe qu'elle s'unifiât comme l'Amérique et la Russie, c'était la méconnaître en son essence et pratiquement vouloir sa ruine. Fille du melting pot, du pot à fondre, l'Europe devait s'unifier autrement. Les nations maintiendraient leur langue, leur style, mais une unité originale, exemplaire, se constituerait, tandis que les patries, se complétant, subsisteraient avec leur ancienne vigueur. Si au contraire les choses allaient mal, une désagrégation complète de l'Europe était à prévoir, souhaitée par certains. C'est vous dire, avec quel soin Hermann de Kaiserling aurait veillé sur le traité de Rome, faisant siennes les protestations de ses vigiles contre les distorsions du marché commun qui vont de tarifs déguisés à des importations sauvages ou à des manipulations sur l'échange et bien d'autres drôleries dont j'ai soigneusement étudié les dossiers. Oui, il y a eu des tricheries, des pressions, voire de secrètes consignes qui ont essayé de casser notre marché, lequel a résisté, n'étant point né du hasard, mais de la nécessité. D'autre part, mes Européens chéris, avouez que vos campagnes électorales ont souvent paru plus lourdes d'arrière-pensées partisanes que de préoccupations européennes. Lorsque vous vous risquiez à un raisonnement, vous vous perdiez vous-même, à quelques exceptions près, dans le labyrinthe des institutions communautaires. Vos ouailles sortaient de vos réunions des termes techniques dansant dans leur tête, tels dépassement, bavure, serpent, voire gâte ou solte, mouche, qui ne les empêcherait pas, eux, de dormir, mais vous. Vous qui les traduisiez, ces termes, en camion, en poulet, en emploi, en allocation, en sécurité intérieure, de l'autre sécurité, le soufflons mot. Et vous saviez que vous ne pourriez, hélas, parler en maître à dépendre de créanciers auxquels reviendrait la parole quand il s'agirait de solder vos dettes. Ces fleurs empoisonnées jaillissent de la mutation sociale à laquelle nos propres progrès nous ont acculés. C'est pourquoi, quelles qu'aient été les flèches, dont les miennes, tirées contre les actuelles structures européennes, il n'est que justice d'en revenir à nos compliments et à nos merci. Elles ont œuvré de leur mieux dans un climat abstrait et jaloux. Abstrait, soit extra-humain, jaloux, soit un climat infra-humain. Elles nous ont évité le pire,
des asservissements unilatéraux destructeurs de nos caractéristiques nationales. Le soutien de votre Assemblée leur inspirera un second souffle à condition qu'elle-même ne dépérisse pas en stérile combat de parti. Chargée d'espérance qu'elle ne peut décevoir, elle ne s'y complaira pas. J'en viens allègrement à l'avenir. Pour quelle triste raison votre Assemblée ne vivrait-elle que les yeux fixés sur les traités de Paris et de Rome? Sans y contrevenir, elle pourrait, en sa souveraineté morale sur la chose européenne publique, se saisir des problèmes cruciaux qui les transcendent, encore plus importants que ceux de la monnaie ou de l'énergie. Pour ma part, j'en ai cerné trois. Le premier est un problème d'identité. Oh, non pas d'identité entendu comme similitude, mais d'identité comprise comme perception profonde de soi. L'insuffisante participation de l'électorat européen à la consultation qui nous a créés prouve combien il est urgent de le résoudre. Impossible de concevoir une Europe sans Européens. Je l'ai déjà dit dans cette enceinte, en y recevant le chancelier Helmut Schmidt, lauréat de ma modeste fondation destinée de laquelle préside le maire Pfimelin, présent parmi nous, et M. Braun, le président de l'Université des sciences humaines de cette ville. Je l'ai répété à Paris, au Sénat, en recevant de l'éminent Gaston Thorn, d'un autre Luxembourg, et sous la présidence de M. Alain Poher, la médaille d'or Robert Schuman, créée par la FWS Stiftung de Hambourg. Les institutions communautaires ont fait des betteraves, du beurre, des fromages, des vins, des veaux, voire des cochons européens, elles n'ont pas fait d'hommes européens. Ces hommes européens existaient au Moyen-Âge, à la Renaissance, au siècle des Lumières et même au XIXe siècle. Il faut les refaire. Déjà, la jeunesse s'en charge. Circulant, sac au dos, ignorant les frontières, déjà les villes jumelées ont créé un réseau d'hommes et de femmes allergiques aux conflits passés et qui se savent liés au destin de leur continent. Mais dans leur ensemble, les écoles ne suivent pas, en dépit de réalisations exceptionnelles, telles à Bruges, de notre Belgique, celle du professeur Brugmans. Les professeurs échangés distillent leur science en se gardant les ingrats de s'afficher en champion d'une Europe sans laquelle ils resteraient confinés dans leurs établissements locaux. Des rêveurs ont pensé à des manuels scolaires qui transformeraient notre passé en jeu d'agneau. Le mensonge ne porte jamais de fruits. Il faut au contraire qu'en toutes les écoles du marché commun, des plus modestes aux plus sophistiqués, soient expliqués qu'à des siècles de conflits et de massacres, se substitue aujourd'hui une ère nouvelle fondée en doctrine sur un plus petit commun dénominateur, celui de notre culture.
rentrer dans vos rangs, je vous soumettrai un projet dont vous pourrez saisir les autorités voulues, associant tous nos maîtres, tous nos écoliers, tous nos étudiants à la définition de ce dénominateur et, par rapport à lui, à la définition de nos caractères spécifiques nationaux. Une prise de conscience se fera à laquelle vos campagnes électorales n'ont été en fait que le prélude. Nous l'aurions alors enfin, notre université européenne, non pas dans une ou plusieurs bâtiments pour jeunes déracinés, mais partout et multiforme. S'impose la création déjà souhaitée d'une académie européenne, d'une philharmonique européenne. Ajoutons-y des équipes sportives européennes, la culture physique faisant partie de la culture générale. Non, ne restons pas les classiques de nous-mêmes, un ballon porte quelquefois plus loin qu'un obus. Deuxième problème, la natalité. Au train où vont les couples, il n'y aura plus d'Européens bientôt. Bientôt. Alors pourquoi cette assemblée? Pourquoi? Les statistiques me paraissent doublement effrayantes par leur formulation et par leur réalité. Lorsque des experts me déclarent « les femmes allemandes n'accouchent que de 1,4 et les femmes françaises de 1,8 des 2,28 enfants nécessaires », je sursaute en imaginant des milliers de bébés en morceaux. Puis, je partage les affres de la longue agonie chiffrée de notre civilisation. La revivifier, la rajeunir, nous n'y parviendrons qu'ensemble. Comme vous tous, j'ai médité sur les pyramides des âges. J'ai même été jusqu'à Niigata, au Japon, face à la Chine, pour m'entretenir avec le professeur Gino des résultats de sa méthode. Les tabous sociaux de ma jeunesse condamnaient à de graves sacrifices intimes les filles séduites par les professions dites masculines. Les autres savaient qu'elles affronteraient sans aide extérieure au foyer les charges de leur maternité alors sans contrôle. Ces tabous sont morts, morts à tel point que je découvre dans l'aide et le respect que, changeant d'avis, les sociétés leur apportent une sorte de vengeance personnelle. Mais croyez-moi, aucun des achats d'enfants auxquels nos gouvernements affolés s'apprêtent, par des allocations, des dégrèvements, d'ailleurs trop lourds à supporter pour leur budget, n'infléchiront le destin inscrit dans les pyramides. Si les femmes occidentales ne veulent plus d'enfants, c'est qu'elles les jugent inutiles, voire nuisibles autant à leur travail qu'à leur agrément. Pour des causes inverses aboutissant à la même raison, les femmes slaves de Russie veillent aussi à leur stérilité. L'enfant collectivisé n'est pas utile à la famille et fort gênant dans une société de pénurie. Plus, ce n'est pas la psychologie de l'assistance consentie aux femmes européennes pour leurs maternités éventuelles qui modifiera leurs sentiments. Cette psychologie sous-entend l'enfant comme une charge, comme un risque, voire comme un malheur, jamais comme un investissement. D'amour, bien entendu, il n'est pas question. Plus encore, l'école incite les enfants à la critique, à l'irrespect des parents et au-delà du mur à leur délation. Je conjure à mon secours un instinct venu du fond des âges. Pourquoi jadis les femmes fécondes étaient-elles bénies? 1.
l'enfant collaborait au labeur familial ou le complétait. Deux, l'enfant assumait la charge de ses vieux. Trois, l'enfant transmettait le patrimoine. Aujourd'hui, l'enfant naît. Un, impatient, inquiet, les parents se demandent ce qu'ils en feront. Deux, ils ne comptent pas sur son aide, leur vieillesse étant prise en charge par l'État. Trois, quant au patrimoine, ceux-ci ne se transmettent plus, volatilisés au passage, comme chacun sait. Ce n'est point prétendre que l'aspiration à une société de loisirs ne nous arrive pas également du fond des âges. À l'exception des initiés de la puissance et de la connaissance, les conquérants, les créateurs, les hommes libres n'ont jamais travaillé plus que pour travailler moins. En tout état de cause, si notre Europe en danger veut se perpétuer, elle doit affronter une profonde transformation morale. Il est permis de penser qu'acquis les loisirs, perçu l'interdépendance de la population active et de la vieillesse heureuse, qu'assouvi le besoin naturel de transmettre leurs biens, les couples veuillent multiplier par leurs enfants leur goût de vivre. Il n'est pas défendu d'imaginer un autre idéal dont notre foi en nous-mêmes précipiterait l'éclosion. Question d'âme. L'Europe est une question d'âme. Identité, natalité. Arrivons-en au troisième problème qui sera, si vous le désirez, de votre suprême ressort. Celui de la légalité. Celui des droits de l'homme. Ils avaient sombré en Europe, ces droits, avec le naufrage de la Société des Nations et l'occupation de notre continent sous la dictature nationale socialiste. Ils ont alors émigré aux États-Unis. D'abord à San Francisco, ensuite à Manhattan. Là, ils se sont perdus. Des tyrans sont accueillis avec égard au Palais de Verre et propulsés dans ces commissions penchées sur l'amélioration du sort des déshérités. La casuistique internationale va jusqu'à refuser l'appellation de victime parce qu'ils ont quitté volontairement leur pays aux passagers des frêles esquifs qui voguent aujourd'hui sur des mers dangereuses sans vivre ni destination. Les responsables des génocides que nous connaissons auraient dû être chassés de l'Organisation des Nations Unies. Qui l'a exigé ? Personne. Comment s'en étonner, car si l'on dénomme démocratie, les régimes dont l'opposition n'est pas sous terre ou en prison, celles-ci sont moins de 30 à Manhattan, parmi les quelques 150 usagers de son palais, tous bien entendu signataires de sa charte. Quel machin, s'exclamait le général de Gaulle. Dire le droit n'est pas une obligation, mais le dire en prétendant l'imposer tout en le trahissant est un crime. Ce crime, il vous appartiendra de le dénoncer. Encore une fois, soyez exemplaires. Mais ce droit lui-même, il vous faudra le repenser en fonction des imprévisibles privilèges engendrés par la tolérance de nos civilisations libérales. Au nom d'elle-même, cette tolérance s'est inclinée devant le fanatisme et les abus de force. La concentration des pouvoirs techniques, notamment, engendre des excès que ni Grotius,
ni les révolutionnaires de 89, ni Marx lui-même n'avaient prévu. Une poignée de fils du désert peuvent de l'extérieur tuer une civilisation à laquelle ils doivent leur fortune. Alors que l'Europe, même appauvrie, ne cesse de proclamer sa solidarité vis-à-vis des mal-nantis de notre commune vallée de larmes. De l'intérieur, quelques anonymes sans responsabilité morale définie peuvent tenir à leur merci jusqu'à ce que vent, froid, ignorance et paralysie s'en suivent, d'autres foules anonymes, leurs frères. Les Européens redoutent les privilèges, ne serait-ce que ceux des machines. Dans le fil des droits de l'homme et relevant de leur philosophie, s'impose la recherche de nouvelles conceptions quant à la propriété, au travail et au commandement de la culture. Identité, natalité, l'égalité, l'Europe ne retrouvera son rayonnement qu'en rallumant leurs phares, les phares de la conscience, de la vie et du droit. Messieurs les élus d'Europe, vous en détenez les étincelles. Ah, soyez persuadés que cette allocution, si peu conforme aux usages, je l'ai prononcé pleinement informé du péril nucléaire qui nous encercle. Suréquipée, notre planète tourne, engagée dans une troisième guerre, larvée ici, féroce là, insidieusement polymorphe. Les documents qui me parviennent ne m'ont pas persuadé que le désarmement ait débuté autrement que sur le papier, alors que la science nucléaire se vulgarise. Le danger est devenu tel qu'il dépasse l'angoisse que l'on peut en ressentir. À le connaître, exactement, les couples n'auraient plus d'enfants du tout. Déjà certains peuples, plus que d'autres imaginatifs, se sont transformés en rats pour construire de formidables cités souterraines résistantes aux impacts et aux radiations. Déjà des consignes d'abri circulent. Toutefois, mesdames et messieurs, une chance demeure. Que votre autorité morale d'Européen unis contre le cataclysme possible, peut amplifier. Cette chance réside en que ce ne sont point les armes qui tuent, mais les hommes. Les armes, elles, ne demandent ni à être inventées, ni à sortir de leur cachette. Oui, ce sont les hommes qui tuent, et si les 10 que nous sommes n'ont pas encore prévu de s'enterrer, laissez-moi l'illusion de penser que ce n'est point faute de crédit, mais que leur spiritualité leur défend de désespérer de la raison humaine. Mesdames et messieurs les élus de l'Europe, plutôt votre hôtesse d'un jour que votre présidente, je vous dirai, à l'instar de mes jolies arrière-petites-filles qui sillonnent en cet instant terre, mers et cieux, thanks for your attention. Danke, grazie. D'un coup, tac, et bienvenue, Falce. Oui, bienvenue, et en mon incomparable langue natale, j'ajouterai ceci du fond du cœur.
5 heures. La séance continue. Nous en arrivons à l'ordre du jour qui appelle la vérification des pouvoirs. Conformément à l'article 3 du règlement, la vérification des pouvoirs des membres est confiée à une commission spéciale temporaire, composée du doyen d'âge et de 8 membres désignés par tirage au sort. La liste des membres a été distribuée. Depuis son impression, j'ai été informé par les autorités compétentes du Grand-Duché du Luxembourg que M. Pierre Werner est remplacé par M. Jean Voltaire. D'autre part, M. François Mitterrand et Gustavo Selva m'ont communiqué par écrit leur démission de représentant. Conformément à l'article 12, paragraphe 2, alinéa 2, de l'acte portant élection des représentants à l'Assemblée du suffrage universel direct, l'Assemblée constate ses vacances et en informe les États membres intéressés, ce qui sera fait immédiatement. Je vais donc procéder au tirage au sort des représentants désignés pour composer la commission de vérification des pouvoirs. Monsieur Guy Fernandez, est-il présent? Levez-vous, je vous prie. Monsieur Guy Fernandez est donc membre de notre commission. Monsieur Zequino Hortensio, est-il présent? Oui, il est là. Levez-vous, je vous prie. Vous faites donc partie de la commission de vérification des pouvoirs. Monsieur Léo Tindemans. Est-il présent? Vous faites partie de la commission de vérification des pouvoirs. Monsieur Basile de Ferranti. Vous faites partie de la commission des pouvoirs. Madame Françoise Gaspard, présente. Elle fait donc partie de la commission qui se réunira tout à l'heure. Nous en sommes à compte. Monsieur Gaston Thorne. Monsieur John Mark Taylor, est-il présent? John Mark Taylor, oui. Je crois que c'est Travis. Encore un? Monsieur Sutra. Sutra est présent. Est-il présent? Voilà. Alors, la commission de la vérification des pouvoirs, si vous en êtes d'accord, va se réunir et la séance... Salle 3. Ah non, c'est la salle. Salle 3. Salle 3. Et la séance, pour le moment, est suspendue.